Alors, elle est très belle, mais je m'attendais à ce qu'elle soit genre vraiment, genre VG Sims. Elle n'est pas verte! Oui, elle est trop pipou! Elle a les yeux verts d'un VG Sims, mais elle est pas toute verte, quoi. C'est juste une humaine. Vous croyez qu'on peut transformer un nourrisson en VG Sims? Par contre, si on la relook rapide, on peut la mettre toute verte. Après, je peux lui mettre une couleur de VG Sims pour le délire, hein. Ah, on dirait qu'on lui a vomi dessus. Genre un peu vert foncé comme ça. On dirait qu'elle est mélangée. Les sourcils, tout vert. Et pour les cheveux, comme ça. Je vais mettre des petits cils. Et ses petites oreilles, là. Elles sont trop belles. Il faut quelque chose qui m'inspire la nature. J'aime beaucoup celui-là sur elle. Oh, ça, c'est cool! Voilà, des petites fleurs partout. On dirait un brocoli, mais grave! J'abuse du bail. Je vais lui mettre une petite comme ça, là. On dirait comme ça que c'est une petite plante, regardez. Ce sont des CC que j'ai présentés, si jamais, sur YouTube. Hein. Oui, je mets de la morve. C'est adorable aussi. C'est réaliste. Un champignon, c'est la nature aussi. Ça ira très bien. La nature, c'est aussi le soleil avec la pluie. Ses yeux sont incroyables. Ok, donc ça, c'est Flora. Je vous la représente, du coup, la fille de mon VG Sims. Voici Flora. En tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de dodo, en tenue de fête, en temps chaud.